À l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons la série d'émissions ayant pour thème l'Évangile, puissance de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de la plus grande opération de sauvetage de l'histoire de l'humanité. Pourquoi avoir lancé cette opération? C'est à cette question que nous tenterons de répondre aujourd'hui. Mais tout d'abord, écoutez bien les réponses qu'on a recueillies suite à la question « Pourquoi croyez-vous que ça va mal dans le monde? » Moi, je pense que l'humanité en tant que telle est cruelle et c'est beaucoup plus facile d'aller vers la méchanceté que la bonne action, puisqu'on est des êtres égocentriques puis qui pensent juste à nous. Juste la politique, là, juste ça, ça fait que ça va pas très bien. Mm-hmm. Nos dirigeants. À cause de l'environnement puis la pollution, je pense que c'est le problème majeur. Parce que le monde, la société, les gens sont devenus de plus en plus individualistes. Ben là, j'ai l'impression que moi aussi, jusqu'à 5 heures, non, là, avec Bon, je pense que la réponse est évidente, là. Ouais? Ben, quelque part, parce que le monde a changé. Ça va mal, là-bas? Ça va pas mal. C'est une question bizarre. Aujourd'hui, je me sens super bien. On est bien à Québec, il fait beau. À Saint-Jean, les gens sont heureux, il y a plein de touristes. Ça va très bien dans le monde. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Valérie. Alors, si on revient sur le Vox Pop de tout à l'heure, ce que je constate, en fait, c'est que les avis sont étonnamment partagés. En fait, d'une part, on a des gens complètement pessimistes, mais d'une autre part, on a des gens aussi optimistes qui disent que tout va bien dans le monde. J'ai l'impression que c'est pas mal relié au vécu des gens. Fort probablement. Mais moi, je t'avoue que j'ai été vraiment renversé d'entendre les deux dernières personnes qui disent que ça va bien dans le monde. Évidemment, il y avait un contexte. Le monsieur, il dit que, regarde, lui, il est en train de fêter la Saint-Jean à Québec, ça va bien. Mais l'année 2010, sur la planète, ça n'a pas été bien. Ça commence avec un immense tremblement de terre en Haïti. 300 000 morts, c'est quand même quelque chose. Il y a eu par la suite la grosse catastrophe écologique du golfe du Mexique. Il y a eu les feux en Russie. En fait, les catastrophes qu'il y a eu en Europe. Ça fait que dans le monde, si on le regarde de ce point de vue-là, ça va mal. Évidemment, nous, ici, au Québec, on n'a pas été touchés par aucun cataclysme, puis on a eu de la belle température, donc ça allait assez bien. Mais il y a une autre partie de l'être humain qui va mal ici. Et je pense que lorsqu'on scrute attentivement ce qui se passe avec les individus, les divorces, les familles qui éclatent, la détresse chez les gens, ça va mal. Oui, puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est la jeune fille tout à l'heure qui nous disait que, en fait, l'être humain est automatiquement porté vers le mal plutôt que vers le bien. Je pense qu'elle a mis le doigt sur quelque chose de très important. Et au cours de l'émission, on va revenir là-dessus parce que c'est là qu'est le problème. Merci, Jean-Pierre. Alors, je vous invite à faire part de vos commentaires, à réagir à ce qu'on vient de parler en nous écrivant par courrier à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Cette semaine, nous vous présentons le témoignage d'un homme qui a réalisé qu'il avait un vide dans sa vie. Et vous verrez que ce n'est pas sans difficulté qu'il a trouvé le moyen de le combler. Écoute, Dieu, pour moi, dans ma vie, avant que je puisse avoir la chance de connaître l'Évangile, c'était ce que j'avais appris quand j'étais jeune. Je roulais avec l'enseignement que j'ai reçu. Écoute, on allait à l'église une fois par semaine, une fois par mois, au gré de ce que ça tentait aux parents, dans le fond. Puis c'est ça pareil, mais c'est à peu près ce que je savais de Dieu. Dieu, c'était une personne qui était invisible pour moi, que je pouvais pas palper. Que je pouvais pas voir. Puis ça représentait un Je vous salue Marie ou un Notre Père, là, à gauche, à droite, une fois de temps en temps, quand ça allait pas bien. Fait que c'était pas mal mon arrière-plan de jeunesse. Le contact que j'ai eu à l'Évangile, c'est grâce à des personnes de l'Assemblée évangélique ici à Saint-Jean-Chrysostome. Ils faisaient du porte-à-porte pour des sondages, pour connaître notre foi chrétienne. Et puis, moi, à ce moment-là, j'étais pas là.
C'est ma femme qui a répondu. Mais elle a mis au parfum de la visite qu'elle a reçue. Ma femme a toujours été, près du Seigneur. Elle a toujours eu des convictions, même depuis qu'elle était plus jeune que moi, depuis son tendre enfance, dans le fond. Et puis, elle avait déjà un goût développé pour en connaître plus. Moi, j'étais vraiment, là, sur le bric à bras, comme on peut dire. Moi, je voulais pas que ces personnes-là entrent dans la maison parce que pour moi, c'était des personnes qui venaient comme s'infiltrer dans notre vie privée et tout ça, puis qui essayaient de venir changer nos idéaux. Puis ça, je voulais pas. Et puis, c'est sûr que j'étais mal informé sur le sujet. Et puis, ça a duré pendant quasiment 2 ans de temps à ce que les personnes venaient nous porter des pamphlets pour le déjeuner de l'espoir, à ce qu'on ait assisté à des déjeuners. Puis moi, je m'obstinais encore. Je disais que non, mais ça a toujours été fait d'une façon soft. Ça a toujours été fait dans le respect. Puis c'est probablement ce qui a fait qu'un jour, j'ai dit oui. Parce que j'ai jamais, en aucun temps, je me suis senti bousculé, je me suis senti obligé à quoi que ce soit. Mais ces personnes-là ont été très respectueuses. Mais ils se sont tout simplement acharnés parce que ça n'en valait la peine. Et puis, un jour, j'ai dit oui pour aller à un déjeuner de l'espoir. Ça m'a touché beaucoup. Et puis, après ça, on a été un petit bout sans avoir de contact. On a déménagé, on a eu une construction. Et puis là, moi et mon épouse, on avait ce qu'on appelle un gros trou noir en dedans de nous autres. C'était un vide, je sais pas comment on peut appeler ça, un vide spirituel, émotif, appelons ça comme on veut, mais il y avait vraiment un vide à l'intérieur de nous. On avait un besoin qu'on pouvait pas combler, puis ce besoin-là, on savait même pas c'était quoi exactement. Mais on avait tous les deux dans l'idée de rappeler la personne qui s'était obstinée à venir nous porter des déjeuners de l'espoir, puis à venir nous contacter. Et puis, curieusement, cette personne-là nous a contactés dans la semaine. Je sais pas si Dieu a mis sa main là-dessus, mais je présume que oui. Donc, j'étais fou de jouer, j'étais content. J'ai dit, ben oui, justement, je voulais te parler, je voulais justement qu'on se voit. Fait que ça serait-tu possible pour toi de venir nous voir puis qu'on puisse se rencontrer, on aurait des choses à se dire. Fait que la personne est venue nous voir très heureuse. On l'a accueillie, ça a été très convivial, là, des petits biscuits, café autour de la table. Puis là, on s'est mis à jaser du Seigneur, à jaser de Dieu, puis à lui parler de notre fameux trou noir, puis comment qu'on vivait ça, puis dans le fond, on a fini par se rendre compte que ce fameux trou noir-là, ben c'était la présence de Dieu qui nous manquait en dedans de nous. Ma femme, elle, durant le cours de la Bonne Nouvelle, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle est allée vers Dieu et puis le Seigneur l'a béni à partir de ce moment-là. Moi, dans mon obstination, j'étais encore obstiné à pas vouloir donner mon trousseau de clé à Dieu. Je voulais... Mon trousseau de clé, c'est... Chaque clé peut débarrer une porte dans ma vie. La porte de mon travail, de mes amours, mes enfants, mon automobile, tout. Et puis, je refusais de donner mon trousseau de clé parce que je sentais que je serais plus maître de ma vie et puis ce serait quelqu'un d'autre qui deviendrait le conducteur de mon véhicule. Puis ça, je voulais pas. Je m'étais toujours dit, je suis capable de me débrouiller toute seule dans la vie, je suis capable de faire mes affaires, puis j'ai pas besoin de personne. Et puis, mon père m'avait invité à aller à la pêche avec lui dans le coin de Saint-Damien-de-Baclun. J'ai amené mes enfants avec moi parce qu'il y a un de mes enfants qui aime beaucoup la pêche, puis l'autre est comme moi, il aime la nature. Il est pas très patient avec une ligne, mais il aime beaucoup la nature. Fait que on est arrivé là-bas, il faisait beau, c'était venteux. Vraiment, là, c'était une journée extraordinaire. Mon père, il dit, écoute Stéphane, il dit, je te laisse ici parce que moi, j'avais pas de botte de pêche. Il dit, j'amène les enfants de l'autre côté, on va aller pêcher dans le coude de la rivière. Ben, je lui dis, c'est bien, c'est correct. Moi, pendant ce temps-là, je vais contempler la nature. Je me suis assis sur une grosse roche. J'avais la rivière à peu près à 15 pieds de moi. Il y avait une brise qui me caressait. Je me sentais tellement bien, la chaleur du soleil qui plombait sur moi en plein milieu de l'après-midi. Je voyais les hautes herbes qui valsaient. Ça semble tellement romantique, mon affaire, mais c'est vrai. À ce moment-là, je me suis tellement bien senti, j'ai dit, « Ben là, Seigneur, c'est là que ça se passe. Tu le veux, mon trousseau? OK, je te le donne. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me reconnais comme étant pécheur.
Je sais, puis c'est vrai que le Seigneur t'a envoyé ton fils pour moi à la croix pour qu'il puisse me pardonner de mes péchés. Ben, ce qu'il a fait, il ne l'aura pas fait en vain pour moi, parce que je lui donne ma vie. Puis c'est vraiment à partir de là que le Seigneur a fait partie de mon cœur, a fait partie de ma vie. Puis depuis ce temps-là, ça fait maintenant bientôt 5 ans de ça. Puis depuis ce temps-là, le Seigneur m'a montré à maintes et maintes reprises qu'avec Dieu, tu peux réussir des choses incroyables. C'est une bénédiction de l'avoir dans ma vie. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Dans la prochaine portion de l'émission, François nous fait la démonstration qu'on a besoin de l'Évangile dans nos vies. Je vous invite donc à porter une attention particulière à la problématique du cœur humain. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, pourquoi l'Évangile? Bien, la raison, c'est qu'on a besoin de l'Évangile, parce que la Bible dit qu'on est pécheur. Restez avec nous, restez avec nous. J'aimerais vous donner des exemples parce que c'est extrêmement important. Et puis, je pense qu'on a tendance à nier cette réalité, bien qu'on l'ait chaque jour, j'allais dire, dans le nez. L'année passée, j'ai acheté une roulotte et puis le vendeur m'a beaucoup, beaucoup expliqué en long et en large comment il se volait de roulottes à chaque année au Québec et puis comment j'avais besoin de toutes sortes d'affaires de sécurité pour m'assurer que je ne me fasse pas voler ma roulotte. Là, vous allez me dire, bien voyons, on n'est pas tous des voleurs. OK, c'est beau. Rappelez-vous, le pape, l'année passée, il a dû demander pardon parce qu'il y a eu énormément d'abus dans différentes institutions d'Église catholique, des abus sexuels, des gens qui ont des vies brisées. Peut-être vous allez encore me dire, François, c'est pas tout le monde. OK, allez dans une cour d'école, et là, vous allez peut-être voir et constater la généralité. Vous allez voir qu'il se passe des choses là qui sont pas trop, trop correctes, comme on dit. Ou pire encore, allez voir dans une garderie. Écoutez, moi, j'ai des enfants, des petits-enfants qui ont à peine 3 ans et ils sont capables d'être méchants. Et puis, si vous constatez, regardez comme il faut, que ce soit les riches, les pauvres, du mensonge, de l'injustice, du placotage, du blastage, comme on dit, c'est commun, que ce soit riche, pauvre, des grands de ce monde, les gens ordinaires, on est tous poignés avec le péché. Mais c'est vraiment ce que dit la Bible. J'aimerais lire un texte avec vous du Nouveau Testament, des paroles même du Seigneur Jésus qui vraiment sont dérangeantes, mais on devrait réaliser et accepter, c'est vrai. L'Évangile de Marc, chapitre 7, verset 21. On lit ça ensemble. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. Et la liste continue de cette façon-là. Je ne suis pas en train de dire que l'être humain est incapable de bien ou de bon. Je suis juste en train de dire que l'être humain, selon ce texte, a un potentiel incroyable de tous les vices et les péchés qui puissent exister. Parce qu'on a une nature pécheresse. Quand j'étais petit, on m'a enseigné que j'avais la tâche originelle. La Bible va beaucoup plus loin qu'une tâche originelle. La Bible nous enseigne qu'on a une nature pécheresse qui fait plus facilement le mal que le bien. Vous savez, pour être coupable devant Dieu, on n'a pas besoin d'enfreindre tous les commandements de Dieu. Il s'agit d'être coupable envers un seul et on est coupable envers la loi de Dieu. Un peu comme un bandit qui est en prison, il n'est pas obligé d'avoir commis tous les crimes possibles et impossibles. Juste simplement une faute qui fait en sorte qu'il peut passer une partie de sa vie en prison. Mais il y a un autre aspect aussi concernant le péché. C'est qu'on est responsable de chercher Dieu et c'est ce que beaucoup n'ont pas jamais fait. Vous arrivez chez vous, par exemple, vous avez une table qui est montée avec un repas qui est prêt, et là, il n'y a personne.
C'est une surprise, en fait, que quelqu'un vous a fait. Sans doute, si vous êtes normal, vous allez vous poser la question « Qui a fait ça? » Deuxième réaction, normale, vous allez vouloir remercier la personne qui a fait ça. Bien, vous savez, chaque être humain, en vérité, là, on est exactement dans ce contexte-là. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la santé. Dieu nous a donné de jouir de tellement de bienfaits qui nous entourent, une création merveilleuse. Et on n'a pas cherché à entrer en contact avec lui. On n'est pas allé vers lui pour vraiment lui dire merci et chercher à avoir une relation avec ce Dieu créateur qui nous a tout donné. Et l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, nous dit que ça nous rend inexcusables. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, vous allez me dire, mais c'est la réalité. Et Paul, pour conclure cette idée dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, peu importe la nature du péché, le genre de péché qu'on ait pu faire, on est coupable devant lui. Mais j'aimerais vous lire la deuxième partie de ce verset-là, qui dit ceci. « Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. » Dieu, parce qu'il nous aime, veut exercer la bonté envers nous. Dieu, parce qu'il nous aime, est prêt d'aller jusqu'à nous donner sa justice et pardonner nos péchés. Et c'est fort, ça, donner sa justice. C'est plus que pardonner les péchés. Donner sa justice, c'est simplement prendre la justice qui était propre au Christ, au Seigneur Jésus qui était sans péché, la mettre sur notre compte à nous, lorsque nous, Dieu prend nos péchés, notre responsabilité, le jugement qui devait être le nôtre, et il a été transféré à la croix du calvaire lorsque Jésus a payé de sa vie. Vous savez, pas parce que c'est gratuit que ça l'a coûté, que ça l'a rien coûté. Et un ami voulait expliquer cette vérité-là. Il était dans un ascenseur, dans une mine, et il a demandé, « Est-ce que tu as payé pour prendre cet ascenseur? » Il a dit, « Bien sûr, ça n'a pas rapport. » OK. Est-ce que cet ascenseur-là a coûté quelque chose? Il dit, bien sûr, ça a coûté des millions à l'entreprise. Eh bien, tu vois, c'est exactement la même chose. Le Christ a payé sur la croix du calvaire de sa vie. Il a payé très cher pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Et c'est ça, l'Évangile. Et j'aimerais ça, moi, aujourd'hui, que vous puissiez décider. Dire, écoute, Seigneur, je réalise que je suis un pécheur. C'est vrai. La Bible dit... Je le constate autour de moi, puis je le constate dans ma propre vie, c'est clair. Et là, Seigneur, je comprends que Jésus a pris ma place sur la croix et qu'il veut maintenant, non seulement pardonner mon péché, il veut me donner sa justice. Alors, si vous êtes d'accord avec Dieu concernant le diagnostic de nos cœurs, si vous êtes d'accord et croyez de tout votre cœur que Dieu a pris votre place sur la croix du calvaire, la rançon de vos péchés a été payée, eh bien, simplement par la foi, lui demandez pardon. Lui demandez, Seigneur, j'aimerais que tu fasses cet échange et que mes péchés soient vraiment sur le compte du Christ et que sur mon compte à moi, ce soit ta justice. Et à partir de maintenant, je veux vivre en relation avec toi. Parce que c'est ça, l'Évangile. C'est pas juste d'avoir nos péchés pardonnés. C'est pas juste j'ai la vie éternelle puis je vais au ciel, bien que ça, c'est vrai. Mais c'est surtout, d'abord et avant tout, d'être en relation avec Dieu, maintenant et pour l'éternité. Je vous invite à le faire. C'est votre propre décision. C'est votre responsabilité de le recevoir. Et j'aimerais tellement que vous le fassiez. Quelqu'un qui connaît tes soucis.
J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus. Et lui seul peut transformer tes peines en joie. Il voit ta misère, il entend tes cris de douleur.
Par le témoignage tout à l'heure, messieurs, on a entendu un jeune homme parler d'un vide qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Mais il y a d'autres personnes qui ressentent pas du tout ce vide-là et pas du tout de la même façon non plus. C'est une bonne question, Valérie. Il y a certaines maladies qui donnent aucun symptôme. Je pense, par exemple, à certains cancers, et entre autres, le cancer du cerveau. Et quand les médecins le découvrent, en général, il est trop tard parce qu'il n'y avait pas de symptômes. Mais la maladie était là quand même. Même si la personne n'avait aucun symptôme, la maladie était là. Alors qu'on ressente le vide ou qu'on ne le ressente pas, il est quand même là. Et c'est vrai pour l'aspect spirituel de nos vies, comme c'est vrai aussi pour les maladies physiques qu'on peut avoir. Par exemple, je pense que François peut nous en parler un petit peu par expérience. Ben oui, c'est ça, parce que moi, j'ai eu un tumeur dans un œil et puis je m'en suis aperçu comme, on pourrait dire, par hasard. Mais en vérité, c'était pas par hasard, parce que je crois que Dieu est souverain, mais j'avais zéro symptôme. Et le pire temps que j'ai été malade, c'est les traitements que j'ai subis à cause de ça. Donc, c'était assez évident, dans mon cas, en tout cas, que la maladie était sérieuse, mais que je ressentais rien. Et heureusement que je l'ai trouvé par hasard. Et puis, je pense qu'en ce qui concerne l'Évangile, le besoin qu'on a d'Évangile, c'est toujours le même problème. C'est que si on le ressent pas, ça veut pas dire qu'il existe pas, comme Jean-Pierre t'a bien dit. Mais le problème aussi, c'est que il faut réfléchir sur pourquoi je sens pas ce besoin-là. Et généralement, la réponse, c'est qu'on essaie. Et l'être humain essaie de le combler de toutes sortes de façons, par des activités, des jeux, des défis, je sais pas trop. Il essaie de combler sa vie, puis surtout ne pas penser à l'éternité. En réalité, on fuit, hein. Je veux dire, tout ce qui peut être embarrassant dans notre vie, on essaie de le fuir. Et surtout dans la société dans laquelle nous sommes présentement, on a 1000 possibilités avec tout ce qui nous est offert comme loisir, distraction. On peut fuir ces choses-là. Mais ça nous rattrape tôt ou tard. C'est pour ça que les gens qui, suite à un événement triste, par exemple, à un deuil ou à un accident ou à une maladie, vont se mettre à réfléchir sur leur vie. Et là, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais parfois, ça prend un déclencheur. Mais qu'on le veuille ou non, la Bible le déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le message essentiel qui nous a été livré aujourd'hui. Et parce que c'est comme ça, ben c'est très important pour nous de saisir, pendant qu'il en est temps, le remède que Dieu nous donne, parce qu'il y a un seul remède, finalement, c'est de croire en ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Mais je vous remercie beaucoup, messieurs, pour ces précisions. Pour notre chronique Internet, on vous a déniché une vidéo très intéressante. Voilà, c'est tout en ce qui concerne notre émission cette semaine. Je vous invite à être des nôtres pour la prochaine émission.